Bonsoir mes Lolitas d'amour, bonsoir mes Lolitas d'amour. Bonsoir mes Lolitas, bonsoir mes Lolitas. Voici le Johnson qui lave tous les péchés. Mes Lolitas d'amour, mes Lolitas d'amour. Partagez le live. Partagez le live, mes Lolitas d'amour. Partagez le live. Partagez le live massivement. S'il y a même pas 500 personnes, moi je ne parle pas. C'est quand même la Lolette internationale. Moi je suis agrégé de l'université de Californie. Hein. Moi j'ai fait la Californie. Arrêtez un peu là. Comment je peux parler à 50 personnes? La page est restreinte. En tout cas, moi, je n'ai plus le temps de faire. Moi, je suis occupé, moi, avant de nous ensemble. Nous sommes les vieilles stars, les vieilles stars. Et de là, tu vois souvent les corollaires lui raconter ici, là, que oh, ton temps est passé. Ils sont encore à la quête des vues. Quand on est star, il faut juste travailler les abonnés. Tu crées les concepts. Je suis quelqu'un d'abord d'hyper drôle, très hilarant. Je suis une personne très hilarante. Donc, gagner les abonnés, pour moi, ne me coûte absolument rien. Tu vois souvent les corollaires lui disent, ah, chaque jour, ton temps est passé. Mon temps est passé que je publie d'abord. Que cela est publié peut-être une fois en trois semaines. Mais c'est normal. Je n'ai plus le temps de vous partager mon quotidien. Je suis désolé. Pourquoi vous partagez mon quotidien par rapport à quoi? Vous êtes qui? Lolita d'amour. Quand il veut mourir avec Lolita d'amour. Les macabres. Par exemple, pipez-moi Ivana, chef de gars là-bas. Fidelia smiles. Fidelia, how are you? Hope you're fine, my bobo. We're going to discuss later. I have an important thing to tell you. So, I will call you right back. Let's say in 10 minutes time after the live. Love you so much, Fidelia Smiles. Atabo. Partagez-le. Mais Lolita d'amour, connectez-vous-même. Connectez-vous. Partagez le live. Oh Seigneur Jésus, les prières que j'ai abattues. Oh Seigneur. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, il y a un Dieu. Quand la tempête se lèvera, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, il y a Dieu, les nôtres. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, il y a Dieu, les nôtres. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, il y a un Dieu. Alléluia. Les socoyeuses. Vous êtes où mes socoyeuses? Mes socotitas. Mais c'est que Lolita, ouais, bipez-moi chef des gars, maman. Chef des gars, tu ne pleures plus. Le dernier direct de chef des gars, c'est comme ça qu'elle pleurait. Oh, on va quitter pour rien. Je ne dis pas tirer les gars, c'est un sale bif. Oh, on va quitter pour rien. C'est comme ça qu'elle faisait. Élèves. Moi, je suis professeur agrégé de Havrat. Moi, c'était Havrat, hein.
Moi, je fais les cours d'amphi au moins sur 10 000 élèves. Moi, je parle à 101 personnes. Moi, je ne peux pas parler. Hein. C'est quand même la lorette internationale. Hein? Et rit mal, maman. Je ris mal, ouais, le problème, maman. Je suis devant le saut, maman. Je suis devant le saut, mais je suis en train de tacler. Je suis pas en train de tacler le piment pour faire comme si, maman. Je tacle. Je n'ai pas vraiment parlé quand il y a 107 personnes. Je suis désolé. Moi, je ne peux pas parler, hein. Moi, je ne peux pas, là. Je ne peux pas parler quand il y a 107 personnes. Moi, je ne peux pas. Je parle quoi? Moi, je suis désolé, hein. Je parle quoi quand il y a 107 personnes? Moi, je ne peux pas parler, là. Partagez-moi le live, là. Moi, je ne suis pas en train de voir les gens. Oh. Partagez-moi le live, là. 500 personnes avant que je parle. Moi, je ne peux pas parler. Je suis désolé, là. Je parle quoi? Moi, je suis professeur agrégé de Harvard Université. Moi, je donne les cours de chimie, la biochimie. Il y a les 10 000, les 15 000 personnes. C'est une histoire de quoi? La page est restreinte. Mais les Lolita d'amour sont partout dans le monde. Moi, je ne vois pas les pédés. Il y a combien de pédés au Cameroun? Nous sommes 28 millions d'habitants au Cameroun. Il y a au moins 3 millions de pédés. Les 3 millions de pédés, là, doivent être là en train de me suivre. Les lesbiennes de Facebook, la maman, c'est comment? Suivez votre icône. Je suis votre icône, là. Je suis la voix des sans-voix dans mon monde. Je ne vois pas les gens comment? Comment je ne vois pas les gens? Les pédés, tous les pédés, mes copines pédés, là, allez, connectez-vous au live. Pardon, bipez-les. Comment? Je peux parler ou quoi? Je peux pas parler, là. C'est une histoire de quoi? Merde. Je peux canter comme ça, ma bac, licence, master, doctorat. Je donne les cours comme ça, les classes. Comment tu parles à 100 personnes? Mais c'est quand même la lorette internationale. Maman, arrêtez là. Comment? Pardon, bipez-moi le live. Pardon, je vais commencer à danser. Oui, danse-moi d'abord, moi, ma chanson. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, il y a un Dieu, il est notre. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, il y a un Dieu, il est notre. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, il y a un Dieu, il est notre. En tout cas, vous ne voulez pas vous connecter. L'étoile cribienne, comme tu dis, la maman, la page est tellement restreinte. L'étoile cribienne. Je te dis, la page est restreinte. Bon. Ivana, chef des gars, ça fait déjà depuis 3 mois que je suis en train de jeûner. Je prie parce que tu as trop fait du mal. Chef des gars, va te reposer au cachot. Va te reposer à la prison centrale de Lebel. Voilà. Et quand tu arrives à la prison centrale de Nebel là-bas, il faut laisser les chats des filles. Parce que je ne veux pas que tu arrives là-bas, tu commences à gâter les filles qui sont là-bas. Parce que toi là, tu aimes toujours lécher les gens. Ton serpent là cherche tout le temps pour lécher. Quand tu pars à la prison centrale de Nebel, là, celui des filles là, laisse la chatte des gens en paix. Là-bas, on ne veut pas de lesbianisme. J'ai mes copines gardiens de prison. Je vais demander aux gardiens de prison de beaucoup te surveiller. On va suivre, c'est-à-dire comme un millimètre de mille, très près. Il faut laisser la chatte des gens, Ivana. Tu as trop fait dans ta vie. Ouais. Ivana, chef des gars. Chef des gars. Madame, elle n'est pas encore descendue de la prison centrale de Nubel. Présentement, Ivana est encore à la cellule du parquet. Les idiots vont dire que oh, je suis en train de mentir. Je vous rappelle que quand on est à la prison centrale de Nubel, même un prisonnier a le droit au téléphone. Moi, quand j'étais en prison, j'avais le droit au téléphone parce que j'étais dans une cellule spéciale. On suppose que tu dois discuter avec ta famille, avec tes proches. Donc, tu peux avoir le téléphone. Voilà.
Donc, Ivana Chef-Deka, à l'instant que madame la commissaire du commissaire de droit à la quatrième, il faut que Ivana descende à la prison centrale. Elle ne doit pas dormir chez elle. Parce qu'elle est en train de plaider que non, elle va rentrer d'abord dormir chez elle, que c'est demain qu'elle va se présenter au parquet. Non, non, il faut qu'elle dorme là-bas. Il faut que les moustiques là gâtent ton jansang. Je veux que les moustiques là te gâtent le jansang. Et que quand tu arrives là, c'est quand tu vas entrer en prison qu'on va voir ton vrai teint. Ivana va voir ton vrai teint là-bas en prison. Je vais voir qu'il va t'apporter lui tout au point. Il n'y a pas lui là-bas. Hein. Il n'y a pas lui pour se coin dans la prison. Tu vas noircir là-bas. Tu vas lire là, Ivana. Ah, ma fille. Il va avoir confiance. T'es sûr que tu arrives en prison, tu crânes la maman. On va arracher tous tes bijoux. Les filles de la prison vont te traiter, Ivana. Tu vas lire. T'es sûr que tu arrives en prison, tu vas tout crâner la maman. Tu vas lire à la prison. Ouais. Ouais. Gars, chaque ne me met plus dans ta liste de Lélé là, car mon mec n'a pas apprécié. Maman Léa, j'ai aussi vu ça sur Facebook, non, maman? J'ai vu sur Facebook aussi là, la publication que tu as vue là comme ça, maman. J'ai aussi vu la liste là, c'est moi, maman. On vous a cité la liste des lesbiennes, maman, était moi là. Tu n'as pas vu la liste des lesbiennes, la liste qu'on a sorti là, c'est moi qui ai sorti la liste, maman. Ce n'est pas moi qui ai sorti la liste, oh, maman. J'ai aussi vu. J'ai dit que je vais me prononcer sur la liste des lesbiennes là. Mais comme la plupart des lesbiennes qu'on a citées dans la liste là, maman, ce sont mes copines. Et elles ne m'ont rien fait, maman. Je ne peux pas moi parler parce que je suis une activiste LGBT. Non. Je n'ai pas les problèmes avec les lesbiennes du Cameroun, maman. Je n'ai pas moi les problèmes. Parce que la plupart des lesbiennes là, ce sont mes copines. Je suis en bon terme avec elles. Donc je ne peux pas moi afficher. Généralement, les femmes sont d'abord bisexuelles. C'est facile pour deux femmes de dormir sur un même lit et de se toucher. C'est très. Donc, généralement, le lesbianisme chez les femmes, c'est très récurrent. C'est très récurrent. Disons-nous les vérités vivantes. Donc, je peux pas m'asseoir, je commence à. Je lance ma caméra, j'allume ma caméra, je commence à dévoiler l'orientation sexuelle des gens. Moi, je suis désolé. Tu dis que ton gars. C'est moi qui ai fait la liste des Lélé là. N'est pas toujours toi qui es venu sur Facebook. Tu as dit que. Comment on l'appelle? La plus laide fille des Bassa là. La fille laide des Bassa là, c'est même qui là. Celle qu'on appelle, c'est Emmy Dali Basson. C'est qui quoi? Avec son handicap facial. Et donc, on a fait une fille qui est laide comme Emmy Dali Basson, la maman. Laide, hein, maman. Hé hey! Quand la maquille, elle est toujours comme ça. Comme ça. Là-bas, voilà. Quand Lily, avec le visage difficile, hein. Mais il y a les gens qui ont le visage difficile sur cette terre. Je dis difficile. Donc, parlons Léa Campbell. C'est toi qui étais venu nous dire. C'est ce qui... Je ne vais pas parler. Parce que je connais beaucoup. Je connais votre bande là. Laissons le fait que vous êtes devenu les stars, le fait que vous êtes devenu les stars dans les réseaux sociaux là. Parce que avant là, on se connaît. Voilà. C'est là parce que moi, Shakiro, je ne porte pas de masque. Je suis vrai. Parce que le dernier jour là, quand je vais étaler mon livre de vie, il va dire que Shakiro, même parmi les hommes, tu as écarté toi ta vie comme ça. Tu n'as pas été hypocrite. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire que Shakiro pratique l'homosexualité. Mais tous les membres du showbiz là, il n'y a pas une fille qui va me dire qu'elle n'a jamais léché une autre fille parce que c'est beaucoup de travail. Je n'ai pas dit que tu es lesbienne ou parce que tu as dit que ton gars n'a pas apprécié. Ton gars que tu dis là, il t'a épousé. Ton gars là, t'a épousé. Hein? Tes égaux sont déjà mariés avec les enfants. Le bien, on reste là, ce n'est pas le mariage. Si tu me parles encore des trucs de copinage. Si ton gars là t'aime trop, qu'il te met la bague au doigt. Parce que si ton gars là t'aime trop là, qu'il te mette la bague au doigt. Si le gars là t'aime trop, demande de te mettre la bague au doigt. Ne me parle pas des trucs du bien, on reste. En 2023, le peuple le bien, on reste. On ne veut plus le bien, on reste en 2023. Faut arrêter les trucs que les femmes qui ne sont pas mariées, elles sont le mariage. Moi, c'est une femme en soi. Oui. À un moment donné, on a toujours besoin de quelqu'un comme ça là. Oui. Vous partez à la mairie comme ça. Mais le titre de madame là, c'est important. Arrêtez de vous consoler. Les lèvres qui se marient chaque samedi. Les filles sur Instagram sont dans Facebook tous les jours. Arrêtez ça en 2023. Vous m'arrêtez ça. Donnez vos vies à Jésus-Christ. Donnez vos vies. Arrêtez de mettre les indiennes. Présentez-vous. Changez vos comptes. Arrêtes d'être autoritaire. Même quand une femme est tellement puissante, même si elle est puissante, comment? Elle va toujours rentrer à la cuisine. Vous m'avez suivi là? Corlili, parlez ça à qui? Pardon, partagez-moi le live là. Partagez le live.
Ouais, partagez pas le live ici. Mettez-moi le live, pardon. Oh. Je disais que... Je vous ai dit que Shakira ne ment jamais. Elle n'a jamais menti. Elle dit toujours la vérité. Moi, je suis toujours une personne incomprise. Mais après, ça se passe toujours autrement. Les gens ne me croient pas. Moi, je parle quelque chose toujours. Quand je vous dévoile les choses, vous dites que Shakira, ah, Shakira ment trop. Oh, Shakira ne dit jamais la vérité. Pourtant, tout ce qui sort de ma petite bouche, la petite bouche là, et les lèvres roses naturellement, voilà ça. Ce n'est pas le rouge à lèvres, je n'ai pas les lèvres mbrakata. Voilà, les lèvres. Mon jansan rend les lèvres roses. J'ai un produit, même quand tu frottes mon jansan, ça contamine tes lèvres deviennent roses. Je n'ai pas mis le, je n'ai pas mis le, regardez. Pas de rouge à lèvres, maman. Je n'ai pas mis le rouge à lèvres. Belle. Je n'ai pas besoin du make-up. Je suis moi née belle, je n'ai pas le temps. Chacun, on ne ment jamais. Je, maman, elle peut mentir, comment elle peut mentir? Ivana va descendre à la prison centrale de Neubel. Madame la commissaire de droit la quatrième. Ivana, c'est une femme qui a trop fait le mal dans sa vie. Quand la fille a demandé, maintenant je vais parler de façon posée. Quand Ivana chef des gars a commencé ces trucs de mal en cela, j'ai rencontré Ivana, mais c'était en 2017 ou en 2018. Oh. Je rencontre Ivana en boîte de nuit. Je vois son teint, ça me plaît moi. Oh. Du coup, je demande à Ivana, à l'époque, j'avais encore mon teint caramel. Je ne pensais même pas à faire l'urgence. Mais déjà, vu que Beyoncé, c'est mon idole, du coup, maman, la peau claire, disons-nous les vérités d'Ivana, maman, quand on a la peau claire, là, ça ne sait pas, il y a un truc là. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a les femmes noires qui ne sont pas belles. Oh. Les femmes noires sont très jolies. Mais toujours est-il que maman, la peau claire, maman. Disons-nous les vérités d'Ivana, maman, la peau claire, c'est ton égal. Avant la peau claire, c'est ton égal, maman. C'est ton égal. Quand on voit nous les plus grands, même quand tu arrives même en bégla, maman, quand tu es trop noir, là, maman, il y a certains postes qu'on ne peut pas te donner. À moins que tu sois, à moins que tu sois trop intelligent, maman. Maman, la peau claire, c'est pas ton égal. Arrêtez-moi. Arrêtez la sorcellerie. Arrêtez la sorcellerie, maman. Comment? Même les gars, si tu as ton gars à la maison, même ton gars à la maison, maman, il préfère quand il voit la même fille passer. Même si la fille brune là n'est pas trop belle, maman. Le cul rouge, maman. Le cul rouge. Maman, les fesses jaunes, maman. Tu parles quoi? Même si la fille est brune, elle passe, elle n'est pas très jolie. Si elle est bien brune, déjà uniforme, là, maman. Je ne sais pas, il y a un truc là. Voilà. Dans Mélorita d'amour, je vous ai dit que Ivana, chef des gars, qu'elle a commencé ses histoires. Moi, quand j'ai connu Ivana, Ivana ne connaissait, elle était pas mal, là, maman. Je ne connaissais pas moi les choses de mal là. Moi, je voyais moi une petite enceinteuse. Je voyais moi une petite enceinteuse qui est dans son couloir de enceinte. Ivana n'avait même pas la visibilité. Quand j'ai connu Ivana, Ivana n'avait pas de visibilité, maman. Elle faisait le enceinte aussi comme ça, le enceinte sur elle. Papa, j'ai raconté l'histoire la maintes fois. Ivana, comment elle a démarré ses choses sur Facebook, maman? Tu voyais comment elle, je voyais les Ivana moutons. Les chèvres, Ivana Moutou, ça vous croyez ces bêtises? Elle est là comme ça, elle fait le trafic d'organes. Ivana fait le trafic d'organes, c'est là qu'elle fait le trafic d'organes. Une pique qui reste comme ça, elle doit faire les iPhone 13 pour ma souche, elle prenait où? Hein? Vous croyez que c'est le genre ça qui donne l'argent comme ça? Hein? Elle prend l'argent où? Parce que quand elle avait monté les déjetures qu'elle avait causées, qu'elle m'avait causé en 2020, elle a perdu quasiment toute sa clientèle. Vous croyez que c'est le genre sang? Elle prend l'argent où? J'ai dit à Ivana que si Ivana, j'ai parlé que son fils est mongol ici, vous avez dit que je mens. Si Ivana, elle prend la photo de son fils, elle met face up, elle modifie la photo de son enfant, elle met le filtre sur l'enfant. L'enfant de Ivana, je vous ai dit que l'enfant de Ivana, c'est un mongol. Le genre d'enfants qui ont les types, ce n'est pas autiste. Autiste, c'est différent. Vous connaissez les enfants autistes, non? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas autiste. Elle me mentait que son enfant était autiste, elle ment. Elle a vendu le cerveau de l'enfant là pour le succès. Son enfant, maman, ne connaît pas. Maman, il ne connaît même pas l'alphabet français, maman. Il est l'initiation à la lecture. Ça a échoué. Ouais, le petit Roméo. Ouais, un jour, Dieu va te délivrer. Je suis en train de prier avec mes gens ici, là. J'ai vu Pastor Tibi, je choisis le nom de l'enfant de Ivana là. On va prier, l'enfant là sera délivré. Le petit Roméo, tu n'as pas envoyé ta mère d'avoir le serpent et d'entrer dans la secte.
Je veux qu'on parte brûler le serpent de Ivana là. Allez brûler le serpent de Ivana. On doit brûler son serpent qu'elle a dans sa chambre là. Brûler le serpent de Ivana. Allez, levez pour un prix. Oh! Brûler le serpent de Ivana. Paya! 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 Oh paya! Oh paya! Oh paya Ivana! Ivana ça dégage! Paya! Paya! Paya Ivana! Paya! Paya! Paya Ivana! Oh le feu! Le feu! À la mention du nom de Jésus, tous les nous fléchis! Oh paya! Paya Ivana! Oh paya! Je libère! Oh paya! Le feu du Saint-Esprit! Le feu du Saint-Esprit! Oh j'envoie le feu! J'envoie le feu à Ivana, chef des gars! J'envoie le feu! Je brûle Ivana, je brûle ses pieds! Je brûle le démon à Ivana, chef des gars! Je la brûle! Je brûle Ivana, chef des gars! Je l'envoie à la prison sainte de Nebel. Que le procureur qu'on a, Ivana, à la prison à perpétuité. Prie Ivana, c'est des gars. Trafic d'organes. Ivana vend les gens où. Elle a les gens qui tuent les gens. Ivana, c'est des gars. Wow, tu as trop tué le sang. Quand vous voyez Ivana, ses yeux là comme ça, c'est le sang des gens. Wow. Ivana, tu vas arrêter de boire le sang des gens. Tu bois le sang des gens pour être malin. Oh, Ivana, c'est des gars. Je la condamne à la prison à perpétuité. Chef des gars, tu vas descendre à la prison Satan de Lubel. Je commande la madame, le commissaire de droit la quatrième. Oui, allez, je commande la prison du tribunal. Quand Ivana va se présenter, qu'on la condamne à la prison à perpétuité. Tous les gens qu'Ivana a arnaqué de l'argent, allez, connectez-vous ici. Connectez-vous. Tous les gens qu'Ivana a mêlé dans l'amour. Je condamne Ivana. Je la condamne. Oh! Ivana, chef des gars. Chef des gars. Ivana, chef des gars. Chef des gars. Oh! Ivana était la cause, j'ai causé avec Pifo. Pifo m'a avoué que la prison, il était derrière le stratagème. Moi, j'ai le cœur sur la main. Pifo m'a dit ça. Parce que j'ai fait la paix avec Ivana quand j'étais égérie de Mira Cosmétique à Bonapiso. Mira en avait marre. Mira a appelé Ivana. Moi, je ne voulais pas faire la paix. J'ai fait la paix avec Ivana en décembre 2021. En janvier, deux semaines après qu'on ait fait la paix, on m'a arrêté à Bonapiso. Les circonstances de mon arrestation, maman, c'était flou dans ma tête. On m'a arrêté
Maman, directement quand on m'arrête, on arrache mon téléphone. Je n'ai même pas eu le temps d'appeler mon avocat. Personne. Le lendemain, on m'arrête des 20h. Le lendemain, on me défait directement au parquet de Bonanzo. Comprenez mon motif. Tentative d'homosexualité. Vous voyez le truc? Elle a payé, elle a étudié. Maintenant, on dit que qui tue par l'été va mourir par l'été. Tu vas aller à la prison centrale de Benibana. Ton vrai thème va sortir là-bas. Tu ne vas pas faire l'onjansan. Je vais demander aux prisonniers de ne pas t'apporter l'onjansan. Parce que quand tu rentres en prison, on va souvent te rendre visite. Je vais dire à mes copines prisonnières là-bas, les gardiens de prison, qu'on te tape bien. Je vais dire à mes copines gardiens de prison, qu'on te tape, on va te taper là-bas. On va te taper à la prison. On va te taper. Ouais. J'ai ma copine là comme ça. Ouais, vous savez qu'elle est lesbienne. J'ai une copine à la prison centrale de Lebel là. Les filles qui sont tous garçons manqués là, on la condamne à la prison à perpétuité. La fille va te taper. Je l'ai appelé l'autre que il y a une viande qui arrive là comme ça. Elle va te taper. Ta bouche, toi tu aimes la bouche là. Comme tu aimes quoi que tu as la bouche là, on va te. Hey, là-bas comme le gorille comme ça. Quoi? Et tu vas lire. Tu vas lire, Ivana. Tout ton argent va arracher. Comme tu aimes crâner, même ton lait de toilette là. Mof. Dès que tu vas arriver à la prison, dès qu'on t'apporte les provisions, on arrange tout ça à toi. Ivana, tu vas lire. Comme tu arrives là. Les gardiens de prison, j'ai à donner les instructions même aux résisteurs. Même le Nzansan, tu n'auras pas de Nzansan là-bas. C'est là où on va voir ton vrai teint. Tu vas noircir là-bas. Il n'y a pas les injections en prison, hein. Je vais voir où tu vas t'injecter. On ne te voit pas en prison. Tu vois que tu es la prison de ton père. Tu vas te laver qu'avec le seau. Oui. Tu vas chier que tu vois les toilettes comme on chie au village là, non. Les trous là. Les toilettes indigènes là. C'est comme ça que tu vas chier. La prison, c'est ton égal. Tu vas lire, Ivana. Tu vas lire. C'est à cause de toi que j'ai fait la prison centrale de Lubel. Tu croyais qu'elle ne devait pas connaître. Tu as payé le commissaire de la brigade de Mbopi. Oui. On m'arrête à la prison. Moi, je sais que je vais faire quoi, maman. Le jour où je sortais du travail de ces miracles cosmétiques, je sors du travail. J'ai appelé une copine à moi pour qu'elle me place les ongles. Celle avec qui j'étais en prison. Toujours une transat comme moi. Maman, c'est comme ça qu'on reste comme ça. Je finis de manger mon poisson. Je vois là seulement comment il voit seulement la picoque. La picoque de la gendarmerie garée, maman. On commence à m'aider. On me dit seulement que suivez-moi, il ne comprend moi rien. On me demande la carte d'identité. Je n'aime pas la carte d'identité, c'est parce que, étant donné que je n'aime pas marcher la carte, parce que généralement, je suis une femme trans. Quand tu me regardes physiquement, tu vois la femme. Du coup, je n'aime pas marcher la carte d'identité. Généralement, moi, je savais que bon, c'est un petit. Vu que tu es un personnage public, arriver à la picoque, ça devient autre chose. Le gars commence à coucher comme ça là pour voir si. C'est là où il fait comme s'il ne connaissait pas que c'est Chatou qui l'arrêtait. C'est comme ça que tu as fait avec Pipo. Tu as fait la paix avec Pipo 2 semaines avant. Pour qu'on ne te suspecte pas. Tu causes avec un ancien. Tu as opéré, tu causes avec un prisonnier qu'on appelle au nom de Idina. Qui a imité la voix du président du tribunal de Mbalmayo. Pourquoi? Si je vous explique comment Ivana a fait en sorte que Pipo se retrouve en prison. Hein? Non, la femme là, non. Mais derrière ton mal, là, mis derrière. Ton serpent là est fort. Mais ton Dieu ne dépasse pas mon Dieu. Ça ne dépasse pas. Ivana, tu ne peux pas dépasser mon Dieu. Madame la commissaire de droit, la quatrième. Ivana, que vous voyez là. Moi, je veux un mandat d'arrêt. Non, je veux un mandat de perquisition. Allez dans la maison de Ivana, vous me brûlez le serpent. Elle a un gros serpent dans sa chambre. Allez dans la maison de Ivana, vous me brûlez le serpent là. Brûlez-moi le serpent là. Elle a un gros serpent en bas de son lit. Je vais demander de perquisition. J'interpelle le ministre de la Justice. J'interpelle le ministre de la Justice, Laurent Esso. Laurent Esso, est-ce que tu me suis? Donnez l'ordre qu'on batte. Brûlez la maison de Ivana, on me brûle le serpent là. Les étaux moutons. Les états moutons, Ivana Mouton, les saletés, ceux qui passent tout le temps à croire à Ivana cela. Si Ivana sort de prison, quand vous achetez son genre, vous achetez même le genre, c'est qu'un genre sang. Le genre sang qu'Ivana pas acheté à Mbopi. Elle a acheté le genre sang à Mbopi. Maintenant, elle prend les étiquettes, elle met dessus. Elle-même n'aime pas le genre sang qu'elle a sur elle. Hein? Vous voyez une pile comme ça, là, elle est très qu'elle brûle. Les pires sont de ça. Quand vous voyez Ivana dans la vraie vie, elle est comme ça.
Vous avez vu les verges, tout est violent sur le corps. Elle a les verges, tout sur elle terriblement. Le genre, c'est ton égal. Est-ce que le genre, c'est ton égal? Ivana a fait une vidéo comme ça, elle montre tout le corps comme ça là. Les choses qu'elle fait toujours, Ivana chef des gars, me parle d'Ivana chef des gars. Je vous ai dit. Pause publicitaire, pause publicitaire. Maman, il n'a plus le temps. Voilà le Njansan qui a pris le pouvoir. Regardez, vous avez vu le Njansan? Pas de kento. Vous voyez, non? Vous voyez? Voici le lait qui lave tous les péchés. Voici le lait qui lave tous les péchés. Les filles qui ont le corps bracata là. Bracata, bracata. Pardon, ne partez mais pas d'abord chier. Je vais chier, pardon, je vais chier. Pardon, ne partez pas, pardon. Pardon, pas chier, je viens. Aïe, les caca de la sortie. Ne partez mais pas chier d'abord. Je chie, je viens. Maman, mais le état d'amour, je suis parti, je chie même, ça ne sort même pas, maman. Je chie, ça ne sort pas. Je suis parti pour chier, ça ne sort pas. Oh, il peut être Ivana. Oh, Ivana ne bloque plus mes caca. Ivana ne bloque plus mes caca. Ivana ne bloque plus mes caca. J'envoie le feu à Ivana. Je brûle. Je brûle. Je brûle la tête d'Ivana. Je brûle les pieds. Laisse-moi chier en paix. Ils vont me laisser chier. Ivana, laisse-moi chier. Tu me laisses chier. Tu me suis. Je brûle, Ivana. Laisse-moi chier. Ne bloque mon caca. Ne bloque mon caca. Ne bloque mon caca. Laisse-moi chier. Ivana, laisse-moi chier. Tu ne me bloques le caca. Ne bloque mon caca. Ne bloque mon caca. Ne bloque mon caca, Ivana. Ne me bloque le caca. Laisse-moi chier, mais je veux chier. Voici le Njansa qui a pris le pouvoir. Le Njansa qui a pris le pouvoir. Pardon, pause publicitaire. Ma page n'est pas monétisée. Excusez-moi, je parle pour ça pour vous ne le payez. Vous ne le payez pas. Je parle gratuitement. Voilà, c'était mon Njansa. Il n'en est jamais sorti de prison. Tu me suis. Ngouche Brenda. Il n'en est pas sorti de prison. Tu me suis. Il n'en est même pas encore à la prison. Il va là actuellement se trouve au commissariat. Elle a la cellule du commissariat. Vous allez parler que parce que vous l'avez publié. Elle publie, oui. Même quand on est en prison, moi quand j'étais en prison, j'avais le téléphone. Quand tu es dans une cellule spéciale, tu as droit à ton téléphone. On ne t'interdit pas le téléphone. Ivana, quand elle passe la vidéo, d'où elle se trouve présentement. Elle publie, elle commente. Demain, Ivana sera déterrée à la prison centrale de Lebel. Demain, Ivana descend au cachot. J'ai déjà alerté les prix. On a des gifles que BAM! Tu as deux gifles. Dès que tu arrives la prison, ça va être là. On va te maltraiter. Tu vas te mettre à genoux. Tu vas marcher. J'ai dit, dès que tu arrives à la prison, ça va être demain à Ivana. On va te. BAM! Tu vas lire le. Tu vas faire la corvée caca. Tu vas laver. Donc tu vas porter les caca des gens. Tu vas aller baisser. Tu vas lire le Ivana. Oui, Starfish, c'est comment Starfish? Starfish, ma copine, maman.
Maman, les toilettes sont indigènes. Moi, je ne savais pas que les toilettes sont indigènes dans la prison centrale de New Berlin, maman. C'est la prison de ton père. Est-ce que quand on t'envoie en prison, tu es en bon voyage? Tu n'es pas en bon voyage, je suis désolé. Est-ce que la prison, c'est ton égal? Cassare ou au cosmétique, maman? Ouais, Starfish, comment tu peux me dire que je suis baraque? Starfish, tu sais très bien que mon incarcération à la prison centrale de New Berlin, Ivana était derrière. Pipo m'a confessé ça. Pipo m'a dit ça. Pipo m'a dit que mon incarcération à la prison centrale de New Berlin, Ivana était derrière ça. Comment tu peux me dire que je suis baraque? Tu peux me dire que je suis baraque pourquoi? Tu me dis ça pourquoi? C'est Ivana qui était derrière mon incarcération. Tu parles quoi? Christine Lorraine Wahan, je t'envoie le feu. Je t'envoie le feu du Saint-Esprit. Je t'envoie le feu parce que tu es une sorcière. Tu es une sirène des eaux. Quand je vois la photo de miniature, tu es très laide. Je vois derrière l'handicap facial. Regarde ton visage. Le visage difficile. Comment tu peux me dire que Ivana est sortie? J'ai l'eau dans ma bouche. Je te dis que Ivana, présentement, à l'instant T, elle se trouve au commissariat du 4e. Tu m'as subi. Elle est sortie. Elle n'est pas sortie. Je suis désolé. Parce qu'elle a publié sur sa page. Comment vous êtes bête comme ça là? Vous savez, quand quelqu'un est encore au commissariat comme ça là, même quand tu arrives à la prison centrale, mais quand tu es déterré, quand tu es dans une cellule spéciale, tu as droit à ton téléphone. Vous ne savez pas qu'il y a les prisonniers qui se connectent. Mon peuple périt par pas de connaissance. Mais arrêtez un peu là. Oh. Elle fait le trafic d'organes. Vous allez comprendre. Ivana a beaucoup de plaintes comme ça là. Elle ne savait pas que depuis le... Maman, Ivana, je vais te dire que dans la vie, si, il faut avoir peur des bafans. Si tu n'as pas peur d'un bafan ou d'une bafan, c'est que... Vous connaissez pas le proverbe ici? Si tu vois le serpent, on met le bas-pan, tue d'abord le serpent. Tue d'abord le bas-pan, laisse le serpent. Parce que, Ivana, tu ne sais même pas que depuis. Depuis que j'ai quitté le Cameroun là, j'ai ton consent. Tous tes appels, je dis que tous tes appels étaient sur écoute. Tout ce que tu fais, c'était sur écoute. C'est moi, c'est moi. Je dis que c'est moi. Oui, toutes tes saletés. Des bêtises que tu causais là, tu vas lire les plaintes qui sont sur toi, tout ce que tu faisais. La sorcière, le trafic d'organes, quand tu es les gens venaient te donner, tu partais, tu vends le cœur, tu vendais au Bamoun, tout là, j'écoutais tout. J'ai donné ça, c'est le commissaire même là, à la PJ, oui, qui écoutait tes appels, tu ne le connais pas. C'est moi qui avais dit, tous tes appels étaient sur écoute, tu vas lire l'heure. Tu vas aller là. Tu m'envoies la prison centrale de New Berlin. À cause de toi, tu as payé le commissaire. Tu as donné tes pêtes au commissaire. Tu as payé les choses avec le commissaire. Ben, je n'entends pas parler du commissaire là. Parce que je me dis que ben, tous les gars qui te baisent par le cul meurent. Parce que tu as ton serpent. Le serpent là, il y a le serpent dans ton cul. Il y a l'autre en bas de ton lit qui te produit l'argent. Donc tous les gars qui te tourment, le serpent sort sa tête comme ça là. Il tue la personne. Voilà. Dès que tu jouis dans Ivana là, c'est fini pour toi. Donc, Christelle, donc vous boudez à quoi Shakiro. Quelqu'un dit que ferme ta boue, ma chérie. Sinon, tu risques d'encaisser le feu de Ivana sur moi. Ivana peut me tenter. Quelqu'un qui. La personne qui a fait le feu le direct devant vous, c'est un sacrifié. Moi, je suis à mort depuis. Ivana me peut. J'ai fait le direct il y a 4 jours. Je vous ai dit que Ivana va descendre en prison. Vous ne m'avez pas cru. Donc vous doutez encore sur Shakiro. Il y a encore des gens qui doutent de Shakiro. On doute encore de moi. En 2023, vous doutez encore la Lorette internationale. S'il y a quelqu'un. Mais Lorette d'amour, en 2023, tu ne fais rien gratuitement. Si tu veux que je prie pour toi, si tu as un gars qui t'empêche d'avancer, parce qu'il y a les gars qui possèdent les filles. J'avais une copine qui me disait qu'elle a son gars à Constamba. Les hommes, il y a les hommes qui te poussaient. Même les hommes qui ont le charme. Tu me dis.
Je vais prier sur toi. J'enlève les blocages là. Moi, si je suis la main ici, Caïman assise, le gros cul de ta maman, elle est qu'elle sortie. Qui t'a dit qu'elle est sortie? Elle est sortie où? Elle est sortie, elle peut sortir. Au nom puissant de Jésus-Christ, Caïman à 6 heures, je le bloque de ce live. J'envoie le feu. Je brûle son téléphone. Je casse son téléphone. Que tous les mauvais esprits de Ivana, je casse son téléphone. Les gens qui sont là sous le direct de Ivana, les esprits de Ivana, je casse mon téléphone. Je brûle le téléphone. Tous ceux qui sont dans le direct là, je casse mon téléphone. Je brise le téléphone. Le démon dit, bon, votre téléphone, ça va se gâter ce soir. Je brise le téléphone. Ça va se briser. Votre téléphone, je vais casser le téléphone là. Je brise le téléphone. Au nom puissant de Jésus-Christ, je casse le téléphone là. Je dis, je casse mon téléphone. Je casse le téléphone de Ivana, chef des gars. Gardons mes corps, je n'ai pas la perruque. Tu n'es pas la perruque pourquoi? Hein? Là que tu travailles comme ça, on te baise que gratuitement. Hein, Dombe? On te baise gratuitement. Qui te prête la perruque? C'est moi qui te baise. Tu donnes ton anus là que gratuit. Qui va te payer la perruque? Ça ne va pas dans ta tête. Tu es prête à la perruque. Tu n'es pas la perruque. Tu es malade. Hein? Tu vas ton piment que gratuitement. Tu es d'abord la noire comme je ne sais quoi, comme l'obscurité. Parle bien à ce que j'en sens, pardon. À ce que j'en sens. Parce qu'un gel de douche blanchissant, très blanchissant. Pendant que contactez-moi, le c'est comment? Je paie la pub gratuitement. Achetez-moi le gel sans, c'est comment? Vous m'achetez pas le gel sans? Je parle gratuitement comment? Regardez les quêtes, vous avez vu mes doigts? Vous voyez comment les doigts sont propres? Regardez les doigts. Vous voyez? Pas de quinto. Vous voyez les doigts de l'enfant? Regardez les doigts. Le bon Jansan. Regardez. Vous avez vu? Vous voyez les doigts de quelqu'un? Pas les Jansan Bracata. Allez. Oh, oh. Oh, non au quinto. Non au quinto en 2022. Non au quinto en 2023. Je dis non au quinto. Non au quinto. Non au quinto. Non au quinto. Je dis non au quinto. 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 Non. Non au quinto. Non au quinto. Je dis non au quinto. Non au quinto. Non au quinto. Non au quinto. Dans mon make-up, ta grammaire, tu dis que quoi, je te donne mon lit, tu vas tester gratuitement. Tu es malade. Qui traite ton, qui va te donner le gel sans gratuitement, ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu parles ça à qui? Tu es malade. Malade mental. Vous avez vu la croix ici? On ne peut pas me tenter. Tu ne peux pas. Il m'a même vu la croix. J'envoie le feu sur le qui domination. Je veux. Voilà, dernière prière. Ah, sakalaba. Ah, sakalaba. Oh, sakalaba. Ah, sakalaba. Ah, sakalaba. Ah, sakalaba. Ah, sakalaba. Ah, oh, le qui domination. Je brûle. Je brûle. Je brûle. Je brûle la boutique d'Ivana Bonapriso. Je brûle Bangalus. Je brûle Ivana Espérial. Je brûle la boutique d'Ivana Bonapriso. Je brûle la boutique là. Je brûle la boutique. Je brûle. Je brûle. J'envoie le feu. J'envoie le feu sur le serpent. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie le feu. Je brûle. Allez, je brûle. Je brûle.
Ok bébé, start tout à l'heure. Start tout à l'heure en fait. On a les dossiers qu'on doit vraiment décortiquer. On a trop de dossiers à décortiquer. On a décortiqué beaucoup de dossiers. Vous voulez aller que moi. Mais le gars d'amour, voici le Nzansan qui a pris le pouvoir. Voici le Nzansan qui a pris le pouvoir. Je suis fatigué des vies en 2000. Voilà 2020. Voilà 2023 qui arrive. Vous passez le temps à vous plaindre que les gars ne vous draguent plus parce que vos teintes sont bracata. Les teintes collées. Tu l'as fait l'aide. Le beau teint, tu n'as pas. Le bon travail, tu n'as pas. Parce qu'on connaît les réalités du pays. Tu peux quand tu même faire les diplômes, tu n'as pas le travail. En plus, tu es laide. Ton teint est sale. Même ta peau n'est pas bien. Maman, c'est la marche, c'est la malédiction. Pardon, fais même le genre sale, tu fais le semblant. Parce que je connais les filles que elle n'a pas l'argent. Mais au moins, c'est quand elle est belle. Quand sa peau, elle ne joue pas avec sa peau. Prenez soin de vous en 2023, mais arrêtez un peu là. Voilà le 23 décembre. Les gars là, je vais m'asseoir sur vous. Vous allez acheter le Nzansan pour vos copines. Acheter le Nzansan avec vos copines. Mais le livre d'amour, la personne qui a vu le direct ici, qui n'achète pas mon Nzansan, la personne va me voir dans ses rêves. Si tu n'achètes pas mon Nzansan, que tu as vu le direct ici, ce que je bavarde là, ma page n'est pas monétisée. Si vous n'achetez pas mon Nzansan, j'envoie le peuple à toutes les personnes qui ont vu mon direct et n'ont pas acheté mon Nzansan. J'envoie le peuple. J'envoie le peuple. Tous ceux qui ont vu mon direct, ils n'achètent pas mon Nzansan. Je bavarde les gratuits. J'envoie le peuple Saint-Esprit. J'envoie le peuple. Le peuple dans vos maisons. Je brise vos téléphones. Je casse vos téléphones. J'envoie l'électricité. Que vos téléphones explosent. L'explosion de vos téléphones. J'explose vos téléphones. J'explose le téléphone. Si vous avez vu le direct ici, vous n'achetez pas mon Nzansan. Je vais briser vos téléphones. Je brise le téléphone. Je brise le téléphone. Je brise vos téléphones. Je paie mon direct. Vous n'achetez pas mon Nzansan. Pourquoi? Vous ne m'en pourquoi? Parce que le gommage aux tomates. Le gommage aux tomates. Achetez ça. Le bon gommage aux tomates. Donc ça régénère les cellules. Ça vous régénère les cellules. Le gommage aux tomates. Achetez-moi le Nzansan. Si vous n'achetez pas mon Nzansan, vous allez voir. J'ai épinglé le numéro en commentaire. J'ai épinglé mon numéro en commentaire. Achetez-moi le Nzansan. Si vous n'achetez pas mon Nzansan, vous allez me voir dans vos rêves. Vous allez me voir dans vos rêves. Je ne parle pas pour rien. Ma page n'est pas monétisée. Les colis n'ont pas ce temps à signaler ma page. Du coup, on a bloqué la monétisation. Donc, je parle gratuitement. Donc, achetez-moi le Nzansan. Je ne parle pas pour rien. Voici ma gamme blanchissante ici là. Voici le lait de toilette qui lave les péchés. Le lait si vous lave de tous vos péchés. Achetez ça. Même si tu as la peau caïman, la peau crocodile, la peau mangosti, le lait si. Si tu utilises ça, tu ne blanchis pas. C'est que tu n'as plus jamais blanchi dans ta vie. Dans mes lunettes d'amour, voilà. Mais le lit d'amour, j'expédie le Nzansan partout. Partout, j'expédie le Nzansan. J'expédie mon Nzansan partout dans le monde. Je dis bien partout dans le monde, j'expédie mon Nzansan. Partout, j'expédie le Nzansan.
le résultat d'amour. Soyez sincère. Est-ce que Ivana mérite d'aller en prison? Répondez-moi sincèrement. Est-ce que Pifo mérite la prison? On sait tout ce que Pifo est, ce qu'il est. Il est hauteur, orgueilleux, voilà, imbu de sa personne. Mais est-ce que lui-même il mérite la prison? Je vous ai dit que c'est Ivana qui est derrière mon incarcération. Et je vais démontrer ça. Je vais démontrer ça. Mais lui, là, d'amour, moi je dois déjà partir. Je dois aller chier. Les caca me dérangent. Je vais aller prendre le flagyl. Je vais boire le flagyl et chier. Parce que mon ventre, ça me fait mal. Je vais aller boire mon flagyl, je chie. Donc, mais le résultat d'amour, je vais vous laisser. Je vous adore. Mouah. Voilà le genre que j'ai expédié. Voilà, j'ai mis le numéro en commentaire. Contactez-moi sur WhatsApp. J'expédie mon genre. Voilà, Irène Kédiane, voilà. Pipo non, Ivana, oui. C'est une méchante femme. Tu as vu, Irène, merci ma Lolita d'amour. Elle mérite de faire la prison. Mais Lolita d'amour, j'expédie le genre sans partout dans le monde. La gamme blanchie de Shakiro, c'est le dernier niveau. Vous ne connaissez pas que le genre sans là-bas au Cameroun. Moi, j'ai payé 1 500 000 pour qu'on me forme dans la cosmétique. Vous me posez la question tout le temps que Shakiro, tu étais où pendant tout ce temps? Moi, je faisais mon jansan. J'apprenais la cosmétologie pour fabriquer les produits blancs. Je n'avais pas le temps. Maintenant, je suis revenu sur la toile. Quand vous me demandez Shakiro, tu es où? Je suis au laboratoire. Je passe tout le temps à fabriquer les produits, j'expédie. Je cherche même, j'ai les représentantes en France. Moi, je vais maintenant la représentante au Canada et aux États-Unis. Donc, je n'ai pas le temps. Mon jansan, c'est le dernier niveau. Vous connaissez pas au Cameroun. Quand on parle de jansan, c'est le Nigeria. Que ce soit dans les perruques, que ce soit dans les mèches, c'est ici. C'est ici là. Dans mes lutins d'amour, j'ai épinglé mon numéro en commentaire. Après le live, contactez-moi. Je réponds immédiatement. J'ai expédié le jansan partout par DHL. C'est par DHL que j'ai expédié le jansan. J'ai juste besoin de votre adresse, code postal et votre adresse email. Voilà. Donc, Ivana que vous voyez là, elle a commencé sa témoignage sur Facebook. Vous pouvez juste essayer d'imaginer l'argent des gens qu'elle a arnaqué pour la consultation. Vous laissez le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, vous laissez Dieu qui est mort sur la croix pour vos péchés, pour aller vous confier à Ivana. Vous laissez les pasteurs, les prêtres exorcistes, les prêtres ouin, elle-même là. Ouais, qu'est-ce que mon tonton fait ici là, mon direct? Ouais, qu'est-ce que mon tonton fait dans le direct ici là? Tu le mets là, mon direct? Ouais, tonton, je sais pas, pardon, excuse ma folie sur les réseaux, pardon. Ouais, je dis que vous laissez les pasteurs, ouais. Pourquoi Ivana chef des gars? Hein? Vous laissez les pasteurs, ouais. Pourquoi Ivana chef des gars? Mais attendez un peu là. Ça n'a pas de sens. Hein? Ça n'a pas de sens. Elle-même, elle est comme ça là. Sa grande soeur n'accouche pas. Son enfant est mongol. Elle n'a pas pu utiliser ses kits domination. Pour soigner son fils. Son fils a atteint d'un désordre mental. C'est un schizophrène. Il a atteint du dédoublement de la personnalité. Elle n'a pas pu soigner son enfant. Mais c'est elle qui vous vend l'équipe domination sur Facebook. Mais attendez un peu là. Le peuple à l'envers. Je vous ai dit que moi, je vais vous traiter à distance. Je ne suis plus au Cameroun. Non. Je vais vous traiter à distance. Moi, je suis exilé. Je suis encore camerounaise. Moi, je suis pour moi camerounaise, pardon. Je ne peux pas avec le Cameroun. Je ne peux pas avec ça. Moi, je suis une américaine, hein? Je suis malade. Je ne peux pas avec vous. Que qui domine, qui domination, donc, pour dominer les qui? Les qui utilisent le qui domination de Ivana là? Pointez-vous ici là. Qui utilise le qui domination de Ivana? Je vais vous voir. Jusqu'à ce que maman, mis derrière son serpent là, c'est la magie. Tout ça, tu prends ton âge, tu comptes comme ça 40 000. Tu vas donner à Ivana pour le qui domination.
Yeah! Ouais! Et quand tu comptes pour envoyer les cœurs dans le calabo? Envoyer les cœurs! Et quand tu comptes comme ça, 10 000, 20 000, 30 000, tu pars de là, il va là pour le qui domination? Ouais! Merde! Yay! Le qui domination de quoi, maman? Le qui domination de quoi? Yay! La presse sorcellerie, maman! Yay! Vous laissez les prêts jusqu'à vous passer le café Bangalux. Je m'adresse aux hommes aussi, maman, qui ont les problèmes d'infertilité. Vous laissez les gynécologues. Les gynécologues qui ont étudié pour ça, le corps humain, la biologie. Vous passez sur le café Bangalux de Ivana parce que vous avez les problèmes. Maman, les problèmes de vigueur sexuelle. Maman, le monde à l'envers. Hé, hey, maman. On peut faire ça, maman. On peut faire ça. Adama, on peut faire ça. Hé. Hey. Maman, oh. Tous les faux profils qui parlent d'Ivana, les faux profils, vous la croyez. Hé. Hey. Ivana, tu demandes que tu... Irène, tu dis que tu es sûr qu'elle ment. Elle ment. C'est le fait. Il va la pigner avec la permanence sur Facebook. Hein? Même le couple là doit apprendre. Le couple Amot. Président Amot, il apprendre le fait, c'est Ivana. Parce que tu es l'un des plus grands témoignants de l'Europe là. Président Amot là. Moi, mais je vais faire ce que je dirais sur toi. Le président Amot, je vais m'asseoir sur toi. Tu mérites. Parce que toi là, tu passes au temps à frapper l'argent des gens. Président Amot, je m'adresse à toi. Je vais faire les prières. Président Amot, je t'envoie le peu. J'envoie le peu. Tu vas remettre l'argent des gens que tu passes au temps à frapper. Remets l'argent de Flore de Lille, pute. Remets l'argent de Flore de Lille. Remets l'argent de Flore de Lille. Président Amot, tu as trop fait le peu depuis que tu es né. Président Amot, arrête le peu. Arrête. Arrête le peu. Vous restez comme ça là. Et vous restez comme ça là, vous croyez aux bêtises de Ivana. Hein? Tous les pauvres qui commentent. Puisqu'à vous partez, vous racontez. Elle passe le temps à copier les histoires. Elle écrit les histoires. Et le gros pensée sort de sa bouche. Pourtant, elle a que la capacité en droit. Ivana a pris le pouvoir de péter 4 fois. Pas péter, elle a pris le pouvoir de 4 fois. Elle n'a pas ça l'a pas laissé. Elle part maintenant à l'université de Douala. Elle a encore avec la capacité en droit. Elle n'a même pas terminé. Il avait déjà remis l'argent de la MAFO. Ah, s'il avait remis l'argent de la MAFO. Mais derrière, c'est d'abord un bandit. Quand il parle comme ça, tous ceux qui l'ont frappé vont venir l'écrire en commentaire. Mettez le numéro. Je l'affiche, il remet votre argent. S'il a remis pour la MAFO. Maintenant, ceux maintenant qui ont été victimes du président Amot, venez me contacter ID. Je paie sa tête aussi. Je dois payer sa tête. Oui, je fais. Par là qui? T'es malade. Parce que tu as parlé le gros gros français. Le français, maman, le français qu'elle peut écrire. Hein. Elle parle le français comme ça. Tu es sûr qu'elle était diplômée de l'université de la Sorbonne. Pourtant, maman, il y a des gens qui ont l'art oratoire. Donne-leur le bip pour écrire. Il faut leur donner le bip pour qu'ils écrivent ce qui sort de leur bouche là. Vous serez surpris. Partout est bon gain. Maman, je ne veux même plus chier, maman. C'est Ivana là, non? Mais elle ne peut pas. Tout à l'heure, là, je finis de dire, m'assois. Je vais prier le nom de Jésus-Christ. Mes caca vont sortir. Ivana, tu ne peux plus bloquer mes caca. Tu ne peux plus bloquer mes caca. Ivana, tu ne bloques mes caca. Je vais chier. Je vais bien chier, Ivana. Je chie. Ça sort. Tu ne peux plus bloquer mes caca. Tu ne peux pas. Je vais bien chier tout à l'heure. Tu ne me bloques pas le caca. Tu n'es pas né. Tu n'es pas là pour bloquer mon caca. Tu ne peux pas bloquer mon caca. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Peux pas, tu ne peux pas. Peux pas. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Peux pas, peux pas. Oui, peux pas. Peux pas. Peux pas. Peux pas.
ne peux pas, tu ne peux pas. Peux pas. Peux pas. Tu ne peux pas. Peux pas. Ouais. Ouais. Rosy Michel est libre. Elle n'est pas libre. Rosy Michel n'est pas libre. Présentement, elle est au commissariat de Douala 4e. Elle est actuellement en cellule. Elle n'est jamais libre. Demain, elle sera déterrée à la prison centrale de Lebel. Elle n'est jamais libre. À l'instant que je te parle, elle est au commissariat Douala 5e. Voilà. Au 4e, pardon. Elle n'est pas libre. Elle est en cellule. C'est demain qu'on va la déterrer. Et le motif de Ibana, c'est trafic d'organes. Trafic sur les autorités. Elle a fait le plan. Je vous explique comment Pifo fait pour se retrouver en prison. Au départ, Pifo et Ibana se clashaient dans les réseaux sociaux. Ibana a porté plainte à Pifo pour diffamation de nom. Quand elle portait plainte, Pifo ne se présentait pas. Voilà. Après, elle a porté plainte, on envoie les lettres de convocation, les lettres de convocation tout le temps. Du coup, 5 fois, c'est peut-être la 6e fois qu'elle a décidé de se présenter. Dès qu'il s'est maintenant présenté, c'est comme ça que voilà, on a voulu le garder en cellule. Après maintenant, il a décidé de faire la paix avec Ibana. Il y a de cela 2 semaines. On les avait aperçus dans la voiture de Ibana, comment ils ont fait la paix. Sans savoir que Ibana, c'est la personne la plus machiavélique et stratège sur la terre. Depuis quelques années, Ibana opère avec un prisonnier au nom de Ibana. Et Ibana, maintenant, c'est un prisonnier qui a la capacité et l'habileté d'imiter la voix de n'importe qui. Il a l'habileté d'imiter la voix de n'importe qui. Voilà. Ibana, ce Ibana est capable d'imiter l'homme. Il imite avec les mimiques textuellement la voix de n'importe qui, même le président de la République. C'est alors là que, vu que Ibana coopère avec Ibana depuis quelques années, il a imité maintenant la voix du président du tribunal de Malmayo. On a maintenant donné les ordres au commissaire qui était en charge de l'appel de Pipo. Maintenant, quand il a donné, vu qu'il imite la voix, maintenant on arrête maintenant Pipo. Maintenant, quand Pipo maintenant se retrouve en prison, maintenant, on fait maintenant le listing. C'est là où on constate que c'était quelqu'un qui a imité la voix du président du tribunal de Malmayo. Comme je vous ai dit que le numéro de Ibana était sous écoute depuis des années. Tout ce qu'elle fait, c'est trafic d'organes, c'est sous écoute. Elle a tellement de plaintes. À l'instant que je vous parle, elle est actuellement au commissariat. Elle est au commissariat de Douala 4e, elle n'est jamais libre. Je vous explique, quand tu es au commissariat, tu as droit au téléphone parce que tu peux appeler ton avocat. Tu dois arrêter les histoires. Elle n'est pas encore en prison, mais elle va descendre en prison. Il y a déjà son motif. Ibana, le motif de Ibana pour son incarcération est trafic sur les autorités et trafic d'organes. Parce que le trafic d'organes, on a découvert. Elle a un grand réseau de trafic d'organes. Vous voyez les gens qui paient, vous les entiers. À quoi sert-il de gagner le monde et de perdre son âme? De perdre son âme. À quoi sert-il de gagner le monde entier, de perdre son âme? Vous voyez les gens comme les Ibana comme ça là. Et vous avez déjà vu Mira Cosmétique ou les Carimaux. Une parvenue, cette petite plante de la sorcière de serpent. Parce qu'elle veut passer le temps à, je ne sais pas, à induire les petites piles, les Ibana moutons qui la suivent. Vous avez déjà vu Mira Cosmétique ou Karimongwe ou Karine, la boss lady. L'impératrice, vous avez vu l'impératrice publier l'argent. Vous avez vu l'impératrice faire les vidéos de l'argent pour montrer dans Facebook. Elle a besoin de ça. Il va aller atteindre la cheville de l'impératrice. Karimo, il va aller sous la semelle de la chaussure de Karimo. Vous avez vu Karimo filmer l'argent. Fumer l'argent ou Mira Cosmétique, ce sont des femmes qui sont multimillionnaires. Mais donc, Ibana, comment elle va faire comme ça, les petits idiots, les éto-moutons? Quelle est cette domination là? C'est les Ibana moutons. Elle, tu vois, dès qu'elle fait ces histoires là, qui domination là? Allez, elle a peut-être 7 téléphones. Ibana a 7 téléphones.
Et il y a les gens qui tuent les télégrammes. On commence à lancer les commentaires. On lance les commentaires. Oh, tu vois les faux comptes, les faux profils qui témoignent qu'ils ont été satisfaits. Que oh, Ibana a sauvé leur vie. Vos gros culs, vos mamans. Vous laissez le créateur du ciel de la terre pour aller croire à une personne que elle-même sa vie est un désastre. Et comment y aller? Comment y aller? Yé, nous m'en allons, nous m'en allons. Yé, yé, malé. Aussi mon bas à j'aime une tuer. Nous que parle. Et nous que parle. On me guette où? Toi, Ibana. Gagnez même tout en même temps. On me dit que parle. Ibana me voit. À me voit. On l'aime pour. N'a pas confiance, mais Ibana. Gagnez même tout en même temps. On a ton problème. Gagnez même. On me tombe là. Yé, peut calculer. Peut calculer. Que les mêmes nous m'en sommes. Nous m'en sommes. Quoi est noir, messieurs? Non, tu me l'as dit, y est le chien, y est le pépé, le chancelot, le chancelot, y est comme y est né, comme y est né, comme y est né. Mais au menu, mais au menu, mais au menu, dingon pan, à quoi la kengo, mais au menu, mais au menu, et mais. Vous avez connu Achengo, maman. Mais au menu, mais au menu, mais au menu, mais au menu. Ouais, mais Lolita d'amour. Passez le temps à parler des histoires. Ouais, mais Lolita d'amour, il va aller chier, parlez pas moi chier. Mais Lolita d'amour, vous avez dit, quand vous discutez que. Il va la chef des gars n'est pas en prison. Demain, vous allez voir, non? J'ai déjà mes espions là-bas. Dès qu'elle entre à la prison centrale de Dubel, on la filme seulement, on m'envoie. Oui. Parce que je l'ai prié sur sa photo. Il faut qu'elle la condamne à la perpétuité. Elle a trop fait le mal. Elle a tué les innocents. Il va la verser le sang des gens. Elle a versé. Hé, hey, Seigneur Jésus-Christ. Hé, hey, avec le gang de Ivana. Tous les gens qui payaient pour tuer les gens là, eux-mêmes là. Oh Seigneur Jésus-Christ, arrête-les. Qu'ils soient exposés, qu'ils soient exposés au nom puissant de Jésus. Ivana, tu vas descendre en prison. Et quand tu vas descendre en prison là, je vais, le jour que tu arrives en prison, le jour que tu vas te prison, tu vas comparaître, le jour de ta comparution devant le tribunal, je vais libérer le Saint-Esprit. Parce que tu as trop fait du mal à ta vie. Tu as tué les innocents. Tu seras condamné à la perpétuité. Maintenant, là, les cacas veulent d'ailleurs sortir. Ah, le feu. Ivana, laisse-moi chier. Laisse-moi chier, Ivana. Ivana, laisse-moi chier. Ivana. Ivana, laisse-moi chier. Ivana. Laisse-moi chier. Laisse-moi chier. Je veux chier. Oh, les cacas. Oh, Ivana. Je veux chier. Oh, Ivana, il veut chier. Il va aller pas mal là. Mal à l'aide pas chier. 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 Wow. Oh, Manolita d'amour, il va vous laisser. Et pas chier. Contactez-moi, pardon. Oh, le Jansan. Si vous n'achetez pas le Jansan, si il est cassé votre téléphone va se casser. Vous avez vu le Jansan, sinon, ça lave tous les péchés. La gamme, c'est 150 000. Composé de 6 produits. Le lait de toilette, 500 ml. Le gel de douche, 500 ml. La crème de visage. Le gommage blanchissant. La lotion visage et le body scrub, voilà. Un pack de 6 produits à 150 000. Donc, mais le lit d'amour, parce que le gel de douche blanchissant, j'ai un produit qui enlève les quintos, qui a un puissant produit qui vous nettoie de tous vos quintos, de libérer de tous les quintos. Donc, mais le lit d'amour, laissez-moi, et pas chier. J'ai perdu le numéro en commentaire, je vous adore.